Séquence 4. Faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. Langue. Se positionner dans l'espace. Page 136. 137 et 138. Parcours français. J'observe et je comprends. À gauche. Devant. Derrière. Près. À côté de. Sur. Dessus. À droite, sous, dessous, dans, dedans, en face de, entre, gauche, droite, je suis ici. Un, je suis en classe, je me situe par rapport à un camarade ou un objet, en utilisant des informations contenues dans les images. Je m'assois à la deuxième table de la rangée qui se trouve au milieu à côté de mon ami Ali. Deux. À partir de la place où je suis, j'énumère les différentes positions dans l'espace. Le tableau est devant moi, le bureau est à gauche, la porte est à droite et la bibliothèque de classe est derrière moi. 3. Je rappelle la construction des expressions de lieu. À gauche de, à ma gauche. À gauche de. Préposition plus nom plus préposition. À ma gauche. Préposition plus adjectif possessif plus nom. 4. Pour me positionner, j'emploie les verbes suivants. Se situer, se trouver, être. Rester, habiter, retourner, se déplacer, s'installer, s'orienter. Je retiens, se positionner. J'écris mes propres phrases. Je me trouve actuellement à la maison. Le musée est situé au centre-ville. Je passe devant la boulangerie tous les matins pour aller au travail. Nous nous déplaçons en voiture pour arriver à notre destination.
Je m'entraîne. Je formule au moins 3 positions du lapin par rapport à la botte et à la table. Le lapin est entre les deux boîtes. Le lapin est au-dessus de la boîte. Le lapin est dans la boîte. Le lapin est derrière la boîte. Le lapin est à gauche de la boîte. Le lapin est sous la table. Le lapin est sur la table. Le lapin est devant la boîte. Je réinvestis. 1. Je décris cette maison selon l'organisation suivante. À l'intérieur, à droite, il y avait. Au fond, se trouvait. À gauche, enfin, à. Il y avait. À l'intérieur, la maison est spacieuse. À droite, il y avait une salle à manger. Au fond de la maison, se trouvait la cuisine. À gauche, une chambre pour les enfants. Enfin, à droite de la chambre des parents, il y avait un petit balcon. Deux. Je décris la ville et le site suivant en utilisant des localisateurs. Mouledriz Zeroun est une petite ville située dans la région de Meknès Tafilalé au Maroc. Elle est considérée comme une ville sainte, car elle abrite le mausolée de Moulay Idriss. La ville est entourée par les montagnes de l'Atlas et offre de superbes paysages. Les maisons de la ville sont construites en pierre et en argile, avec des rues étroites et sinueuses qui s'entrecroisent. Le mausolée de Moulay Idriss est le centre de la ville et est considéré comme l'un des sites les plus sacrés du Maroc. Les visiteurs peuvent y accéder par une série de ruelles étroites et de passages couverts. Moulay Idriss Zeroun est une petite ville charmante et paisible avec une atmosphère spirituelle et religieuse, entourée de paysages magnifiques. Trois. Je suis en face de ce panneau. Une personne me demande la route qui mène aux cascades d'Ouzou, une autre celle de Beni Mellal. Je les leur indique oralement en employant des localisateurs.
Pour aller aux cascades d'Ouzou, vous allez monsieur prendre la route à droite et après 65 km vous trouverez ces cascades. La route de Benimelal se trouve à droite et à environ de 60 km. Je m'évalue. Après avoir fait des exercices, je peux vérifier si je peux me situer dans l'espace. Oui. Je sais utiliser des localisateurs. Oui. Je sais décrire un lieu en utilisant des localisateurs. Oui. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.